principal était d'avoir deux univers différents qui, dans l'écoute globale du disque, donnent un seul univers musical cohérent. Donc ce nouveau disque est consacré à Mozart et à Prokofiev, et en réalité on reste dans l'état d'esprit que j'aime beaucoup pour les enregistrements, qui est de mettre face à face deux compositeurs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Je tenais particulièrement à enregistrer Roméo et Juliette, les extraits que j'ai choisis, parce que pour moi, c'est vraiment la symbiose de Prokofiev. On a, par exemple, dans la marche des Montaigu et Capulet, vraiment un esprit très puissant, très imposant, très presque brutal, mais une certaine majesté. Il ne faut pas oublier que dans le ballet, c'est le moment où les deux familles ennemies font un petit peu chacune une démonstration de force pour prouver à l'autre que ce sont eux les meilleurs. Donc il y a cet esprit très implacable. Et on a aussi un esprit beaucoup plus tendre dans tout ce qui est duo d'amour, la rencontre entre Roméo et Juliette. Donc là, des grandes envolées lyriques, beaucoup de sentiments humains et beaucoup d'amour aussi. Les variations à Vous dirai-je maman ont été composées lors de son séjour parisien sur un thème populaire. Donc le thème est très simple, mais c'est justement ce qui fait la force de cette œuvre, c'est-à-dire qu'avec un simple thème de quelques notes, il va arriver à faire une œuvre de 15 minutes qui va nous faire voyager dans tous les univers mozartiens. L'humour, la joie, la gaieté, aussi la tristesse, la profondeur dans la variation en mode mineur, puisqu'il faut savoir que la variation était très à la mode à cette époque-là et que la grande chose à faire, c'était de varier le plus possible et donc de passer d'un thème à la main droite, d'un thème à la main gauche, d'un thème en double croche, en triolet, en mode mineur, enfin toutes les possibilités étaient exploitées. Donc d'un thème simple que les gens connaissent, puisque c'est ça l'intérêt, c'est que le thème est connu et donc vendeur pour lui à l'époque, et c'est ça qui l'intéresse, il va arriver à faire un petit bijou, un réel chef-d'œuvre de cette œuvre, qui va nous transporter vraiment dans tout le Mozart qu'on aime.
travail de l'interprète dans cette œuvre, c'est d'arriver à trouver cet esprit si particulier à Mozart, qui est un esprit d'une légèreté incroyable. C'est une œuvre légère, mais pas légère dans le sens négatif, légère dans le sens c'est du champagne, ça pétille, ça, c'est humoristique. Mozart s'est amusé en composant cette œuvre. Le fait de l'avoir joué maintes et maintes fois en concert, d'avoir vécu avec plus de 2 ans au final, avec ses œuvres tous les jours, d'avoir travaillé, d'avoir hésité, d'avoir cherché des nouvelles idées, d'avoir souffert avec, tout ça permet d'arriver en studio et finalement de donner une interprétation qui est la quintessence de, peut-être pas des œuvres, mais en tout cas de ce qu'on peut donner à ce moment-là. Et c'est vraiment pour moi mon disque le plus fort et le plus personnel. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais au plus profond de moi.